Bonjour à tous, mon nom est Vincent Dumez et je suis heureux de vous accueillir sur ce webinaire. Alors, ce webinaire qui s'inscrit dans le contexte de la campagne Art plus science égale solidarité. C'est une initiative qui est née de la collaboration entre la SAT et la faculté de médecine de l'Université de Montréal. L'objectif de la campagne est d'unir euh, la science et les arts dans ce contexte de crise euh, difficile pour euh, toute la population québécoise. Donc, une initiative qui rassemble deux mondes qui naturellement ne, ne sont pas forcément connectés, mais qui sont, qui le sont aujourd'hui à notre plus grand plaisir. Alors, euh, ce projet s'est fait en trois phases. D'abord, il y a eu une première phase, peut-être que vous avez déjà remarqué où les artistes euh, ont remercié les scientifiques. Euh, une deuxième phase aujourd'hui où les scientifiques euh, euh, répondent réponde aux, aux artistes et, et à la population et donne de la formation accessible à tous. C'est ce qui va passer avec nos deux invités. Et puis, il va y avoir, une fois qu'on va tous être déconfinés, euh, une très belle conférence immersive, euh, qui, certainement sur le sujet des bactéries, qui aura lieu dans le Dôme euh, dès la réouverture de, de la SAT. Alors, euh, pour ceux qui ont suivi un peu les capsules euh, plusieurs artistes ont participé, euh, le, ma le magicien Luc Langevin par exemple, l'humoriste Laurent, euh, Laurent Paquin ou l'actrice euh, Sophie Cadieux, donc tous ont donné leur temps. Et vous allez voir quelques extraits de ces capsules maintenant. Les gens qui travaillent dans les hôpitaux ont besoin d'une tape dans le dos, je le fais virtuellement. Pis je me mets du purel avant. Merci. À tous les chercheurs, les médecins, les préposés, le personnel infirmier, ceux qui travaillent, qui sont nos super héros aujourd'hui dans ce cas euh, de pandémie, euh, on venait tous avec vous et on vous remercie et on vous envoie du courage, de l'humanité et de la musique. est fini. Gardez les lumières allumées. Sans vos saros et le travail qui vient avec, peut-être que la robe de chambre n'aurait pas été inventée parce qu'on n'aurait jamais atteint ce niveau de confort. Merci infiniment d'avoir toujours veillé sur nous et de continuer encore à veiller sur nous. Merci. Salut, c'est Jean-Michel Richer, chanteur d'opéra. Merci beaucoup de votre aide. On vous souhaite bonne chance, vous allez la voir, on compte sur vous. Vincenzo! Imagine all the people. Oups, je croyais que j'étais dans l'autre vidéo avec les vedettes américaines. Un petit mot pour remercier les chercheurs qui cherchent sans arrêt le personnel médical, les médecins, les infirmiers, les infirmières qui travaillent d'arrache-pied. Merci pour votre dévotion, votre compassion, votre générosité. On s'en rappellera longtemps. Merci beaucoup d'être là. Et euh... Hello from the other side, c'est tout le temps bon une vidéo de vedette chante. Alors voilà, nous, donc on remercie bien sûr chaleureusement ces artistes qui ont participé d'un peu partout, au Canada, au Québec, en Alberta, en Colombie-Britannique, on en a eu aussi en France, en Chine, en Argentine, donc vraiment merci pour leur générosité. Alors je vous rappelle que je vous invite pendant tout ce webinaire à poser vos questions. Nous avons la chance d'avoir deux scientifiques de renom avec nous qui sont ouverts donc, à, à toutes sortes de questionnements, donc n'hésitez pas à écrire sur. Euh, le fil Facebook, euh, qu'on puisse euh, avoir vos, vos questions en direct, c'est que je peux, puisse leur, euh, leur poser. Euh, donc euh, j'aimerais donc vous présenter euh, aujourd'hui, enfin les laisser se présenter finalement, euh, deux personnes que j'ai je, je, le privilège euh, que, de bien connaître et que je respecte énormément en, en tant que personne et scientifique. Alors je demanderai d'abord à Nathalie Granvaux de, de se présenter. Nathalie, à toi la parole. Merci Vincent, je suis très très contente d'être avec vous ce soir et de pouvoir répondre aux questions du public qui est avec nous. Enfin, bienvenue à tout le monde. Euh, ben, je vais me présenter sous le couvert de la recherche vis-à-vis -vis des euh, virus respiratoires. En fait, j'ai plusieurs chapeaux dans cette, euh, cette quête-là de comprendre comment les virus respiratoires nous affectent. Euh, la première, c'est avec mon équipe de recherche. Alors, vous devriez voir euh, leurs photos apparaître euh, parce que la recherche, elle se fait en groupe euh, et euh, dans le laboratoire que je dirige au centre de recherche du SUM, c'est eux qui font la recherche avec nos collaborateurs, nos collaborateurs canadiens que vous voyez aussi et également nos collaborateurs à la internationale en Europe en Italie, en, au UK et puis aussi en Australie. Donc euh, ça, c'est la partie recherche pour comprendre comment euh, notre corps répond au virus respiratoire et ça fait à peu près 15 ans qu'on travaille dans ce domaine-là. Mon, de, mon deuxième chapeau, c'est celui de professeur de, de, du département de biochimie à l'université où en fait on, on forme la pr prochaine génération de, de scientifiques. Mon troisième chapeau, en fait, c'en est un d'essayer de faire travailler tous les virologistes canadiens ensemble le plus possible et de favoriser la recherche et la transmission des connaissances. Et pour ça, avec mon, euh, mon collègue Craig McCormick, qui est à l'université d'Alousie, en euh, eau. Euh, 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 euh à Halifax, on a euh, créé, en fait, la Société canadienne pour la virologie. Euh, donc, on a plus de 200 virologistes qui euh, discutent ensemble et qui se réunissent régulièrement pour, euh, pour discuter de ça. Et mon dernier chapeau, bah, qui est tout, tout récent, c'est que j'ai l'honneur, euh, avec Vincent, qui est notre animateur aujourd'hui, de co-diriger le nouveau réseau euh, québécois COVID-Pandémie qui va nous permettre de, euh, finalement, coordonner les efforts de recherche euh, au Québec. Merci Nathalie. Mon cher Christian, à ton tour. Oui, merci. Je suis aussi très content d'être ici avec vous ce soir. Je suis un collègue de Nathalie au même département à l'Université de Montréal. J'ai un nom peut-être semblant québécois, mais vous avez probablement réalisé rapidement que mes les origines sont un peu ailleurs. Je pense qu'il vaut la peine d'expliquer de, au tout début que c'est ce qui motive un chercheur qui va en premier temps suivre sa passion, sa passion de savoir, de comprendre comment les choses fonctionnent. Dans mon cas, je m'intéresse beaucoup aux bactéries. Et moi, quand j'étais adolescent, j'ai par exemple fait la lecture d'un livre qui s'appelait Chasseur de microbes et ça m'a vraiment captivé et ça m'a toujours fasciné de comprendre les bactéries. Il y a des bonnes bactéries, des utiles, des méchantes. Et dans ma recherche actuelle à l'université, nous souhaitons surtout comprendre des certaines bactéries, qu'on pourrait appeler un peu méchantes, qui causent des infections chez les humains, dans l'estomac et qui notamment causent le cancer. De l'estomac, et j'en travaille avec trois étudiants au supérieur, au PhD et une chercheuse post -totale. Je m'active aussi en recherche sur la COVID. Je pense, à mon avis, ça, ça fait partie de la mission de, sociale de moi, à titre de chercheur, de mettre toutes mes compétences euh, au service de la recherche des solutions contre ce flot. À part cela, je suis de Recherche à la faculté de médecine de l'Université de Montréal, qui est une des grandes universités de recherche euh, au Canada et d'ailleurs la plus importante au Québec. C'est la responsabilité de coordonner les activités de recherche à travers notre réseau, d'appuyer de les chercheurs comme Nathalie et des centaines de ses collègues qui travaillent dans notre réseau en leur aidant à trouver des opportunités de, de financement, de collaboration dans la recherche sur le COVID. Merci Christian. Donc, je vous rappelle de, de poser vos questions sur le fil Facebook. Vous voyez, aujourd'hui, on a la chance d'avoir des gens avec beaucoup de, beaucoup de connaissances et qui sont actifs actuellement sur le terrain euh, pour faire justement un point sur la recherche actuelle et les, toutes les questions qu'on peut se poser. Alors, je, je commencerai euh, peut-être Christian par une question pour toi. Euh, une question un peu naïve, finalement, euh, d'un profane c'est à quoi ça sert la, la recherche, finalement, dans un contexte comme celui-là Pourquoi on a besoin de, de recherche et pour, et dans un contexte crise comme celui-là c'est une excellente, excellente question. Effectivement, je dirais en premier temps, la recherche, ça sert à rien. Il n'y a pas vraiment la recherche. Typiquement, surtout la recherche euh, fondamentale n'est pas dirigée. Les chercheurs sont un peu comme les artistes. Ils suivent leurs rêves, leurs intérêts pour la création des savoirs. Ils ne créent pas des œuvres d'art, mais nos, nos œuvres d'art, ça, c'est la création de savoir. Et vu que l'art aussi, personnellement, m'intéresse beaucoup, franchement, ça m'a beaucoup touché les capsules d'artistes que j'ai vues. Alors, merci beaucoup à vous tous pour votre soutien. Mais l'importance, à mon avis, de la recherche devient très claire maintenant, parce qu'il y avait des chercheurs qui s'intéressaient à des virus comme le, le coronavirus depuis des décennies, même si à, ce, à cette époque-là, leur recherche menait à rien de très concret, parce que le coronavirus cause du rhume. Personne ne les trouvait vraiment très pertinents, très intéressants. Mais il y avait quand même des chercheurs qui voulaient savoir comment elles fonctionnent. Puis le SARS, le SARS est arrivé en 2003. Et à ce moment-là, c'était vraiment très intéressant que la recherche sur le coronavirus ait été faite avant. Elle a, a déjà donné des résultats. Et ensuite, il y avait beaucoup de travaux sur les médicaments et des vaccins. Et grâce à cette recherche, de nature très fondamentale, mais pas clairement utile. Maintenant, il y avait des avancées qui ont été faites euh, suite à la période de SRAS et nous ne commençons pas à zéro. Euh, maintenant, on peut espérer. Merci pour cette, pour cette réponse, Nathalie. Je vais lier deux, deux questions, en fait, euh, euh, qui, qui est aussi une question de Samia Dawi euh, sur le fil. Donc, peux-tu faire un peu un état de la recherche actuelle On est un petit peu perdu les nouvelles arrivent. Euh, à profusion tous les jours. Encore euh, quel, il y a quelques heures, on avait on avait des nouvelles sur euh, des essais cliniques. Donc peut-être faire euh, les, un état de la recherche actuelle, puis nous dire c'est quoi les médicaments, c'est quoi les médicaments qu'on prescrit aux, aux gens qui sont malades. Est qu D'abord est-ce qu'on en prescrit, puis si on les prescrit, qu'est-ce qu'on prescrit Donc euh, okay. première ouais. question. Effectivement, c'est une question assez large, mais si euh, peut-être le premier point que j'aimerais faire, c'est de dire que la recherche actuellement est vraiment une recherche internationale et de coopération. Euh, c'est assez extraordinaire de voir euh, tous les chercheurs en fait collaborer et euh, partager euh, les résultats de leur recherche très très rapidement. Donc, tu mentionnais, Vincent, euh, qu'effectivement, on a des résultats à profusion qui sortent, qui sont plus ou moins validés, mais qui sortent vraiment beaucoup. Et donc, ça donne beaucoup de discussions. Et ça, c'est le résultat de partage d'informations. Dès que les résultats sont disponibles, là, les chercheurs les partagent et donc c'est euh, un côté très positif. Euh, de l'autre côté, où est-ce qu'on en est rendu euh, ben, effectivement sur la recherche sur le sur le SARS-CoV-2 donc le coronavirus qui nous intéresse en ce moment, c'est surtout en fait deux aspects, la, les vaccins et les molécules antivirales ou anti-inflammatoires qui peuvent aider les patients atteints de Covid-19. Pour le vaccin en fait, ça va très très vite, euh, beaucoup plus vite qu'on l'a jamais connu pour aucun vaccin. On a euh, et dans les dernières 24 heures, euh, il y a eu des annonces de fait sur des premiers essais sur des patients. Alors, ce qu'il faut dire, clairement, c'est que c'est très encourageant, mais ce n'est pas du tout une garantie de succès. Et aussi, on coupe certaines étapes pour aller plus vite, mais au niveau de, de toute l'analyse de tout ça, ça n'empêche que pour les vaccins, même s'il y a à peu près, je pense, 47 vaccins actuellement au monde, ça nous va nous prendre quand même un 18 mois, deux ans minimum pour, a priori, avoir quelque chose qui va être de manière sécuritaire, pouvoir être utilisé chez les patients, enfin, chez les les personnes non infectées en fait euh, pour le côté antiviral en fait on se base je ferai un rebond sur ce qu'a dit euh, Christian euh, juste avant en fait les molécules qui sont actuellement euh, testées c'est des molécules qui résultent de la recherche qui était faite dans d'autres domaines donc on peut prendre par exemple l'exemple de la molécule remdesivir qui a été euh, 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 Finalement développé pour d'autres virus et euh, qu'on est en train d'essayer. Alors les premiers essais, il y a des essais qui sont faits à différents niveaux. Si certains fonctionnent pas, on le sait déjà. Il y en a encore d'autres en cours parce que c'est pas parce qu'un essai ne fonctionne pas que tous ne fonctionneront pas. Donc pour l'instant, l'effort majeur c'est d'utiliser des drogues qui sont déjà utiles pour d'autres indications et de les utiliser pour le SARS-CoV-2. Ça, ça avance très vite. Pour répondre à la dernière partie de ta question, qui est qu'est-ce qu'on donne aux patients actuellement, pour l'instant aux patients on n'a rien de spécifique pour le coronavirus à leur donner. Donc les, les cliniciens, en fait, les médecins appliquent des méthodes premièrement pour les aider. Avec vous avez tous entendu parler des ventilateurs sur lesquels ils sont branchés, de l'oxygène pour oxygéner les patients, et puis différentes autres molécules qu'on euh, a pour aider dans le cas des pneumonies parfois ou dans certains autres symptômes de soulager les symptômes. Mais on n'a rien qui cible le virus actuellement. Merci Nathalie. Peut-être une question pour toi Christian, donc, donc on, on parle des traitements, mais parlons maintenant des tests, hein. c'est une question qui revient souvent, notamment Jean-Charles Côté nous demande un peu euh, quel est le pouvoir de résolution des tests actuellement, alors on parle des, textes, des, des tests notamment PCR, peut-être tu pourrais expliquer oui. ce que c'est, puis est-ce qu'ils sont robustes, est-ce qu'on est qu parle beaucoup de faux positifs, de faux négatifs, alors où, où on en est sur les tests les tests avec l'approche des PCR qui, effectivement, utilisent une amplification assez spécifique de l'ADN du virus, ce sont des tests qui sont très robustes. Des tests très robustes, je ne vais pas vous dire exactement le pourcentage, mais typiquement, là, on n'a pas de problème. Et en plus, il y a beaucoup de tests qui sont actuellement en développement, qui pourraient être beaucoup plus rapidement, qui pourraient nous aider à diagnostiquer beaucoup plus de personnes en même temps, parce que je pense que c'est un grand défi. Ça, c'est autre chose avec les, 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 les tests qu'on est en train de développer pour de, de, de détecter les anticorps, les tests du sérum de patients, juste pour détecter. Parce qu'une des grosses questions qu'on a actuellement, qui a été infecté, qui a été guéri, et pour se détecter par personne guérie, Typiquement, avec les tests de PCR, on ne va plus détecter euh, le virus euh, dans leur système. Là, il faut détecter des anticorps, vraiment la réaction du système immunitaire. Et ces tests-là, malheureusement, ne sont pas encore là. Peut-être Nathalie peut, peut renchérir ici, mais ça, là, ça serait, vraiment, ça serait vraiment très important de développer ce genre de tests-là à l'avenir pour pouvoir dépister toute la population. Vas-y, Nathalie. Non, en fait. Peut-être que ce qu'on peut rajouter, effectivement, c'est que les tests actuels sont pas euh, complètement euh, disponibles et validés. Il y a des essais un petit peu partout, et peut-être qu'on peut mentionner qu'on a en particulier deux essais à l'université de Montréal euh, qui sont en développement pour des tests de sérologie. Un qui est fait au centre de recherche du CHUM et puis un sur le campus euh, de l'université de Montréal où euh, des tests sont en développement. Pour, je ne sais pas le, le, où on en est rendu sur celui euh, euh, sur le campus, mais au centre de recherche du CHUM, les choses ont bien avancé et on devrait avoir des tests c'est fait en, en collaboration avec Emma Québec, donc ça avance, puis ça devrait être très, 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 très prochainement. On est, on est très heureux d'entendre ça. Peut-être une question, Nathalie, que se pose de beaucoup de monde, puis on est un petit peu dans cette logique de se dire, on espère que les choses vont changer, des choses vont changer après le, la, le Covid, et, et, ma question, et la question de Florian est reliée à ça, c'est est-ce que nos modes de vie actuels, nos modes de vie modernes, Peuvent amplifier. Ampli Est-ce qu'ils ont amplifié la contagion du virus Est-ce qu'on va pouvoir Est-ce qu'il y a des choses qu'il va falloir qu'on change pour, pour éviter, pour diminuer le risque de contamination dans, dans le futur ben c'est certain. Vous avez tous entendu parler maintenant beaucoup. En fait, vous êtes tous devenus presque aussi spécialistes que, que nous, les scientifiques, mmh. sur les modes de propagation des virus. On en entend mmh. énormément parler avec les gouttelettes qui se propagent mmh. et puis mmh. euh, versus les aérosols. Donc, qu'est-ce qui, qui flotterait dans l'air et plus loin si on prend dans le cas du virus ici, en fait, qui se, dé, qui, qui, qui se transmet par les gouttelettes et par les surfaces sur lesquelles les gouttelettes se déposent, ben, imaginez mmh. notre vie dans une ville comme Montréal, par exemple, ou une plus grosse ville comme Paris, si on a des, des gens en France qui, qui nous écoutent, où tout le monde se transporte à leur lieu de travail via par des transports en commun où on est tous très près des autres, ben vous imaginez que le 2 mètres de distance qui s'applique aussi quand on a euh, euh, les grippes saisonnières, le virus respiratoire syncytial aussi pendant euh, l'hiver aussi et d'autres virus, le virus du rhume, ben notre mode de vie euh, très, euh, les uns avec les autres, très proche, fait que, ça fait que la transmission se fait plus facilement. Dans les zones plus rurales où les gens vivent plus à distance, se déplacent. Euh, avec des moyens de transport non collectifs, la possibilité de transmission est moins forte. Donc, il faut repenser nos, nos modes de vie par rapport à une potentielle autre pandémie dans le futur et de voir comment on peut adapter notre mode de vie. Loin de, loin de là euh, euh, de dire qu'il ne faut plus utiliser les transports en commun, mais il va falloir repenser nos transports en commun différemment. J'espère que ce message va passer oui. fortement parce qu'il est à mon avis extrêmement important pour et garant surtout du, du futur. Christian, un petit peu peut-être dans la même veine, est-ce que une question de Mireille Camier, est-ce que les gens guéris, c'est une question qu'on se pose, qu'on entend souvent, est-ce que les gens guéris sont immunisés, puis pour combien de temps, qu'on peut est-ce qu'on peut s'attendre à une immunisation longue ou périodique? Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas encore. Ça, ce qui est connu aussi, basé sur la recherche d'autres coronavirus, euh, et que l'immunisation, ça perdure pendant un an, peut-être deux ans. On ne sait pas vraiment euh, si, on peut, si cette immunisation va nous, vraiment nous protéger. Donc, si on peut être ré réinfecté ou non. Alors, pour moi, là, ça, c'est tout ouvert. Il, y a vraiment, il faut vraiment attendre les résultats de la recherche pour vraiment avoir, avoir une, une, donné des réponses éclairées à ce sujet-là. Mais typiquement, on devrait être protégé pour une certaine période après une infection. Et ça, je pense, on a quand même beaucoup d'espoir, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont infectées, qui ont, qui ont juste des symptômes légers ou sont même asymptom asymptomatiques. Là. Et tous ces, toutes ces personnes-là sont immunis immunisées. Je pense que ça, ça nous donnerait vraiment beaucoup d'espoir de pouvoir traverser à ça. Parce que moi, je suis bien sûr d'accord avec Nathalie, mais est-ce qu'on veut imaginer une ville de Montréal sans les festivals sans fiaté, sans le festival du jazz, sans, sans, sans les francophilies, franchement, à un moment donné, ça, est, on est, bien sûr, il faut s'adapter, mais à un moment donné, on veut aussi, à un moment donné, re re retrouver un style de vie euh, que nous, nous adorons tous ici ensemble. Justement, peut-être dans la prolongation de, 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 cette, de cette réponse, Nathalie, est-ce que beaucoup se posent la question de la, de la viabilité du modèle suédois je ne sais pas si tu as un avis à nous donner. Tout le monde se questionne de savoir, est-ce que, par hasard, mon ami, nos amis suédois n'auraient pas trouvé la, la panacée que, finalement, mmh. euh, le confinement à outrance, comme on le fait, ne serait peut-être pas la meilleure solution Qu Est-ce que tu est aurais un commentaire à faire sur cette, 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 euh, cette expérience suédoise Mais Oui, écoute. Y a, en fait, c'est un choix de société, quelque part. Hein. Euh, effectivement, tu as deux choix. Soit tu confines, puis tu protèges les gens. Soit... Il n'y a pas eu de confinement, puis tu te dis que ben, les gens qui sont vulnérables et qui vont l'attraper ben, ont un on risque de mourir. C'est un choix. Euh... Nous, on est rendu ici, on, si on prend les, les, les chiffres du Québec, à je pense aujourd'hui à peu près 1200 personnes décédées. Euh, si on n'avait pas confiné en se disant on va prendre le modèle suédois, est-ce qu'on était prêt à assumer le fait que potentiellement on aurait 10 000 personnes qui seraient décédées C'est ça en fait la question qu'il faut se poser. C'est. Euh... Fait... Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Je pense que c'est un choix de société, puis de décider est-ce qu'on veut protéger nos personnes vulnérables et puis est-ce qu'on veut garder les gens euh, de manière sécuritaire. Ce qui revient par contre à poser une autre question. Christian mentionnait euh, l'immunité euh, des groupes, des gens qui ont eu des symptômes minimums ou euh, asymptomatiques. Euh, pour l'instant, on estime qu'il y a à peu près 10% de la population qui a, vu, qui a vu le virus et qui pourrait potentiellement avoir développé une immunité. Donc le confinement finalement, à un autre effet pervers qui est qu'on n'a probablement pas suffisamment développé notre immunité de groupe alors qu'en Suède, ils vont l'avoir. Il mmh, n'y a pas de bonne réponse ou de mauvaise, c'est vraiment un choix, euh, un choix sociétal, je pense. Merci. Peut-être, Christian, retombons un petit peu, puis euh, Nathalie, tu pourras aussi contribuer. Dans le monde des virus et des bactéries, il y a une, une, ré... une question de, de Marie Bernatchez que je trouve extrêmement intéressante, c'est euh, « Allez-vous vérifier si le virus utilise nos bactéries pour se répliquer ?» Donc, quelle est l'interaction quelle est qu'on a, qu a actuellement aujourd'hui Qu'est-ce qu'on comprend de l'interaction entre bactéries et virus Est-ce que ces deux mondes se rencontrent Et si c'est le cas, de, de quelle façon Une chose est certaine, que les bactéries, qui vivent sur, dans le corps humain ou sur notre, le corps humain, on appelle ça le microbiome. Ce sont typiquement des bactéries qui vivent avec nous tout le temps, qui ne causent pas de problèmes. Ça influence certainement la santé. Il n'est pas encore connu si euh, ces bactéries-là influencent l'infection avec le SARS-CoV-2 mais une chose qui est certaine, certaine euh, que le, ce virus-là n'infecte pas les bactéries. Donc il y, a des, des, il y a vraiment deux mondes des virus. Il y a des virus qui infectent les bactéries. Et d'autres virus infectent fait, des, des, des humains ou des, des animaux. Et ce sont deux mondes très distincts. Ça, on peut expliquer ça. Nathalie, tu veux rajouter sur cette question Oui, j'aurais peut-être juste, je voudrais peut-être faire un point avec l'introduction qu'on qu a eue tout à l'heure. Comme Christian mentionne, le coronavirus est très fort. C'est très peu probable qu'il euh, qu affecte des bactéries, donc qu'il se comporte comme un bactériophage. Euh, ce que je voudrais souligner, c'est que les données qui sont sorties très vite dans qui ont été publicisés très vite sont vraiment très faibles c'est vraiment anecdotique puis c'est même pas ouais. contrôlé correctement donc oui on a un partage de données dans la recherche qui est très ouais. rapide mais il faut valider ces données là puis là on, on s'enflamme sur une théorie de, euh, que, que finalement c'est un problème de bactéries peut-être que c'est un problème de bactéries ça ça se peut on peut pas l'éliminer complètement aujourd'hui mais c'est certain ben, je veux bien rester ouverte d'esprit mais c'est a priori, c'est pas dû au fait que le coronavirus puisse infecter les bactéries. Ça serait vraiment très surprenant. Puis là, on viendrait d'ouvrir un champ de la virologie qui est complètement nouveau et, et un champ bactérien aussi. peut dans. dans... On, 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 dans, dans cette rafale de questions, une question qui, qui revient deux fois, de, notamment, je prends celle de Sarah Lemoine, euh, qui préoccupe beaucoup, beaucoup de personnes, beaucoup de femmes actuellement. Est-ce bon, est que déjà les femmes enceintes sont plus à risque euh, Peut-être euh, première question. Et puis, euh, y a-t-il eu des décès de, de, de femmes enceintes Est-ce qu'elles est qu sont plus à risque et est-ce que les effets euh, de l'infection peuvent être plus, plus graves euh, chez elles c'est à moi que tu peux Nathalie, oui, oui vas-y. Hum, ben en fait, premièrement, ce qu'il faut dire, c'est que les cas les plus sévères de COVID-19, on les voit chez les clairement chez les personnes âgées de plus de 70 ans. Par contre, il y a un certain pourcentage au Québec, je ne me rappelle plus où on est rendu, mais je pense à peu près 20 des gens qui sont plus jeunes. Si on parle de femmes enceintes, on parle de femmes en dessous de 50 ans, euh, la, dans la très grande majorité des cas. Euh, donc, déjà, le, le, euh, la. La portion de gens qu'on a vus qui, qui sont décédés, sont, euh, cette portion-là est, est plus faible. Par contre, euh, moi, j'ai pas entendu de cas particulier euh, qui décrivait qu'une femme enceinte est décédée de la COVID-19. Je euh, j'ai pas, pas vu ça. Par contre, une femme enceinte est toujours plus à risque d'une infection quelconque, une femme enceinte, on veut qu'elle reste en santé, puis on ne veut pas que son système immunitaire ait à se battre contre autre chose. C'est vrai pour la grippe aussi, ce n'est pas particulier au Covid-19, mais c'est sûr qu'on veut protéger une femme enceinte de n'importe quelle sorte d'infection qui pourrait changer son état, son, son état immunitaire global. Merci. Euh, Christian, euh, bon, il faut qu'on adresse cette question. Elle est, euh, elle est, elle est dans le dans l'ordre du jour euh, mmh. à plein de niveaux. La chloroquine. Alors, qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui euh, Donc, il y a plusieurs questions sur les, euh, notamment sur les euh, les travaux du docteur Raoult qui ont été très très médiatisés. Donc, sur l'utilisation de l'hydroxychloroquine. On en est où aujourd'hui de de, de de cette de, de des essais sur sur cette, cette, ce médicament. Est-ce que est-ce ce qui est qu donne de l'espoir? Est-ce qu'il n'y a pas d'espoir? Qu'est-ce qu'est-ce qu'on ce qu'on qu 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 peut en dire? La chloroquine est une molécule intéressante. On peut dire ça aussi. La colchicine qui a été étudiée ici, une étude clinique pilotée par l'institut de cardiologie de Montréal. Mais il faut euh, attendre les résultats des, euh, des études cliniques rigoureuses pour donner des bonnes réponses. Parce que le, les travaux du docteur Raoult ils sont euh, ont été publiés un peu dans un esprit, comme Nathalie a mentionné, euh, toute la science ouverte, c'est très bien, mais la science ouverte est typiquement pas, en premier temps, validée par d'autres scientifiques. Et quand d'autres scientifiques ont cette étude-là, ils ont dit, ah oui, ça peut être intéressant, mais de point de vue scientifique, même si on aimerait vraiment, vraiment, vraiment que ça fonctionne, on n'est pas sûr. Donc là, et ça, c'est une des choses qu'on apprend comme scientifique. Parfois, hein, il faut, euh, on veut vraiment, vraiment, vraiment que quelque chose fonctionne. Ça, c'est notre modèle, notre hypothèse. Mais il faut la bonne science. Et là, pour, la, pour le chloroquine, on n'a pas la bonne, on a, la bonne, la bonne science n'a pas encore été faite. Elle est faite en ce moment. Il y a plusieurs études, je pense. J'ai vu 40 études sont faites à travers le planète pour tester cette molécule-là. On va le savoir euh, assez bientôt. Merci. Euh, Peut-être une question qui revient aussi souvent, euh, Nathalie, euh, euh, sur la question de la mutation de ce virus. Est-ce qu'on euh, est qu a vu des mutations, même petites jusqu'à présent, et puis est-ce qu'il est qu pourrait y avoir un risque ce, que ça mute On vu dans l'a vu dans le cas de la grippe espagnole, par exemple, sur la deuxième vague, il y a eu une mutation qui a été quand même assez dramatique. Donc, où on en est sur la compréhension de, de, la, de, de, cette, de, de cette capacité ou pas de, de mutation du, du virus non, en fait, à travers le monde, il y a des spécialistes de la génomique virale en fait, qui, euh, qui prennent des échantillons de patients et qui séquencent le virus de, de beaucoup de patients à travers le monde. Donc, ce qu'on a pu constater actuellement avec ça, avec cette méthode-là, c'est euh, que, euh, le, par chance, pour le moment, euh, le Sars-CoV-2 mute beaucoup plus faiblement que la grippe, par exemple. Donc, euh, le peu de mutations qu'on qu a vu apparaître, donc il y, y a effectivement des mutations qui sont apparues, mais très peu comparé à ce qu'on aurait si euh, la grippe avait été euh, à cette échelle-là. Euh, donc, on peut mettre ça dans le contexte euh, aussi de, effectivement, la, la grippe espagnole, la mutation rendait le, le pathogène plus sévère, euh, donc plus euh, les, la maladie plus grave. Par contre, un autre impact que ça pourrait avoir, c'est que l'immunité qu'on a développée justement soit perdue. Nos anticorps ne reconnaissent plus un virus muté. Si mute. On peut pas l'exclure que ça va arriver. On se croise les doigts que ça n'arrive pas. Mais le taux de mutation du SARS-CoV-2 nous donne quand même. Euh, on est quand même optimiste qu'on a peu de chances qu'une mutation qui fasse qui soit plus sévère arrive ou qu'on perde l'immunité. Mais euh, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas l'exclure à 100%. Il y a une petite probabilité qui existe quand même que ça arrive. Ça, c'est tout le problème des virus ARN. Ce qu'on appelle ARN, c'est le génome du virus. En fait, notre virus, il a plusieurs composantes et son génome, qui est l'équivalent de notre ADN à nous, et en fait, lui, c'est un, un, un cousin proche, c'est de l'ARN. Et c'est les virus qui ont cette caractéristique-là, ouais. euh, on la, pro la, on la enfin, mute beaucoup plus que les virus dont le génome est un ADN qui est beaucoup plus stable. Merci, euh, Christian. Une question qui nous vient euh, certainement d'un euh, auditeur euh, euh, du monde artistique et euh, on, on, on imagine qu'il y en a beaucoup euh, ce soir. Euh, on en est actuellement au niveau des, des, des recherches sur. Euh, euh, on parle de la réouverture des restaurants, la réouverture des, 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 des milieux de spectacle. est-ce qu'on est loin d'une réouverture des salles de spectacle Est-ce que. Euh, quel, quel, Comment, comment peut-on l'envisager, question notamment de Christine Curnillon, et, et est-ce que c'est envisageable et comment ça pourrait se passer salle des spectacles, Ça, respect ça c'est pas facile comme question. Salle de je pense, on veut ouvrir, je pense, ça ce qui est important, ça ce qu'on doit faire et ça ce qu'on envisage en ce moment, c'est une ouverture graduelle de la société, de l'économie, mais aussi de la société qui est avec l'économie, des écoles d'une façon graduelle, tout en tenant compte des personnes qui ont des différentes vulnérabilités. Idéalement, bon, bon, le vaccin va arriver un jour, mais on ne sait pas si ça va arriver, mais ça peut durer, comme Nathalie a dit, entre 12 et 18 mois. Est-ce qu'on veut garder les salles de spectacle fermées pendant 18 mois? La réponse est non. Est-ce qu'on peut les ouvrir d'une façon responsable? cet été, euh, je ne sais pas certainement des restaurants ça va, ça va être, selon moi les restaurants ça va être faisable en gardant en prenant plus d'espace euh, entre les personnes, euh, je pense que ça on peut imaginer même si la date il faut vraiment ici euh, suivre des, les, les, les développements de, des recommandations de la santé publique qui aussi bougent avec la science qui bouge parce qu'on apprend tous beaucoup en même temps, les spectacles de la nature avec tout le monde à la même place, euh, on aimerait bien les revoir. Euh, mais je pense que ce n'est pas sans raison qu'on a annulé euh, tous les, euh, toutes les euh, gros spectacles jusqu'à la fin de l'été. Euh, moi, j'ai vécu à Munich plusieurs années euh, de, de ma vie. On a annulé l'Oktoberfest cette année, qui est la plus grosse fête, fête de la bière. Euh, à la... On a annulé cette année pour la première fois depuis la guerre. Alors, on a fait... Pour l'instant, on ne peut pas faire ça d'une façon sécuritaire. Probablement avec moins de densité, on pourra envisager des choses au courant des prochains mois. Et malheureusement, je n'ai pas de, de réponse plus... Euh, j'aimerais mieux, franchement, j'aimerais avoir une autre réponse pour vous, mais je pense que c'est la réponse qu'on peut, dire, qu on peut en donner en ce moment. Nathalie, euh, bon, on, a plein, on, a, on a fait face à plein d'hypothèses. Euh... Des fois un petit peu loufoque ou des fois peut-être réel. Alors peut-être une des hypothèses actuellement qui est, qui est beaucoup qu'on entend beaucoup, c'est est-ce que la nicotine pourrait protéger du coronavirus Est-ce que, est que nous allons pouvoir nous remettre à fumer en, en tout état de conscience euh, mais écoute, euh, en fait la problématique de ça, puis euh, c'est euh c'est qu'il y a beaucoup de corrélations, ce qu'on appelle, nous, dans le monde scientifique, des corrélations qui sont faites. Les, les gens vont regarder, euh, il y a plus de personnes qui font telle chose ou plus de moins de personnes qui font telle chose, donc il y a une association de cause à effet entre les deux euh, éléments. Puis on parlait de ça. Euh, tout à l'heure avec mon équipe parce que je les utilise beaucoup pour, pour regarder les données et puis discuter puis challenger un peu nos, nos interprétations et comme disait mon étudiante c'est un peu comme si on avait pris le critère est-ce qu'il y en a ceux qui ont des symptômes plus sévères mangent plus de riz que ceux qui en mangent moins donc, pour l'instant, on, on est un petit peu à ce niveau-là. L'étude qui, qui a montré euh, qu'il y avait un effet de la nicotine, ben, ils ont regardé des patients, puis ils ont dit, euh, il y en a moins qui avaient des symptômes sévères, je pense, euh, qui, euh, qui fumaient, euh, puis que, que l'inverse. Par contre, on a une étude chinoise qui dit complètement l'inverse. Euh, donc, euh, actuellement, en fait, il faut des analyses très, très larges pour pouvoir faire des études, euh, premièrement, de corrélatif comme on dit puis ensuite de ça il faut vérifier tout ça euh, dans des modèles que ce soit des modèles animaux ou des modèles cellulaires pour vérifier le lien de cause à effet. Donc euh, pour l'instant, je dirais non puis je dirais surtout euh, Faites attention, euh, parce que la crainte avec des annonces comme celle-ci, c'est que les gens aillent à la pharmacie chercher des patchs de nicotine. Euh, c'est dangereux au niveau du cœur pour les gens qui n'ont jamais fumé. Ne commencez pas à faire de l'autotraitement, puis euh, dévalisez pas les, euh, les pharmacies des, euh, des patchs de nicotine comme on avait vu avec le papier toilette en début de, de pandémie. <laughs> Euh, Peut-être dans un registre qui nous préoccupe beaucoup, euh, Christian, en ce moment, on voit une écatombe dans nos CHSLD, pas seulement au niveau des personnes âgées, mais aussi des professionnels de, des professionnels de la santé. Donc une question de Marie-Pascal qui nous demande, lorsqu'un professionnel de la santé a été infecté par le, le Covid-19, euh, dans quelles conditions ils peuvent revenir en milieu de travail en limitant les risques de contaminer euh, à la fois les, les, les patients et, et leurs leur, leur pairs, mais aussi de se recontaminer eux-mêmes. Après une maladie, on dit après 14 jours, la personne devrait être plus infectieuse. Ça, c'est ma connaissance et on espère aussi qu'une personne qui a passé à travers cette maladie-là devrait être immunisée. Donc, le risque est probablement euh, moins élevé d'être réinfectée pour une personne qui a passé à travers. Ça, c'est effectivement une immunisation, comme on souhaite la donner à toute la population euh, pour donner une protection. Euh, donc, je pense que c'est ce qu'on peut dire pour l'instant. Tout en, mais quand même, on veut pas, quand même ça ne veut pas forcément dire que les personnes qui reviennent après deux, deux semaines en bonne santé ne vont pas devoir se protéger. Je pense qu'il faut toujours être prudent et euh, juste euh, assumer le pire et se protéger quand même et aussi pour protéger les autres parce que les personnes ne devraient pas être infectieuses, c'est tout ça ce qu'on sait. Quand même, il y a tellement de choses qu'on ne sait pas sur ce virus en ce moment-là. Je pencherais plus sur, sur le principe de prudence et précaution. Nathalie, tu veux rajouter quelque chose? Excusez moi euh, Peut-être juste un, en fait, une donnée. Euh, euh, actuellement, pour, pour les gens qui lisent un petit peu les données, euh, les données qu'on a en fait sont calculées à partir du jour de développement des symptômes, du premier jour des symptômes. Donc, c'est difficile de, de calculer après la fin des symptômes, quand une personne est, est considérée guérie, quand est-ce qu'elle est plus contagieuse. En fait, aujourd'hui, les données qu'on a, c'est à partir du premier jour des symptômes, il semble que jusqu'à 20 jours. Euh, les patients détectent encore du virus donc euh, c'est juste la nuance si jamais les gens regardent oui. des données qu'ils voient circuler c'est qu'actuellement c'est évalué à partir du jour de début de symptômes et non pas de, de la guérison donc quand les gens voient le 20 jours ce n'est pas, pas, pas ce dont euh, parlait, euh, vous parliez oui. à l'instant il faut faire attention à ça merci pour la précision une question aussi euh, à l'ordre du jour on voit qu'on euh, par exemple en, je pense qu'en Europe dans certains pays on oblige les gens maintenant à porter des masques dans les transports en commun donc euh, une question de Jacqueline Marcoux. Euh, que, quel type de masque va, va minimalement nous protéger Est-ce que les masques artisanaux, euh, tissu en tissu, euh, c'est suffisant Les masques de chirurgien On sait très bien que les fameux n 95 ne vont pas pouvoir être euh, disponibles pour tout le monde tout de suite et qu'il faut les garder, bien entendu, pour les situations les plus graves. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme consigne sur le port des masques euh, à nos auditeurs Je C'est une chose qui est vraiment non, non. Doit être claire. Euh, parce que les, les masques euh, sont pas là pour protéger la personne. Les masques artisanaux, les, les, les masques qu'on va porter, les personnes les portent en public, vont pas vous protéger. Euh, Peut-être un peu, il y a une certaine une barrière additionnelle, mais ces masques-là sont portés en premier temps pour protéger les autres pour protéger des autres d'être infecté par vous si vous êtes asymptomatique mais quand même vous excrétez euh, les virus c'est pas une mesure de, de protection euh, très solide pour la, pour, pour la population générale les, toutes les autres approches euh, distanciation les deux mètres euh, lavage de mains etc tout le monde connaît ça Ce sont ça les, les les mesures qui aident vraiment avec la protection qui sont qui sont qui se met. il faut il faut protéger les autres je pense ça ça c'est ça, c'est pour moi l'argument le plus important pour recommander le port de masque et les, N, les N95 pour tout le personnel médical, bien sûr. Ça, c'est une vraie protection s'ils sont bien appliqués. Et là, évidemment, il faut les rendre disponibles aux personnes, le personnel du système de la santé. Nathalie, tu voulais compléter euh, Oui, ben, en fait, ce que j'ajouterais là-dessus euh, à, à la réponse de Christian, c'est qu'il euh, y a une... Euh, euh, il y a des directives en fait par les agences de santé publique, il y en a une au Canada, je sais qu'il y en a une en France, j'imagine qu'en Belgique aussi, enfin dans les, dans les autres pays qui pourraient nous écouter, mais où les, les, les minimums de conception des masques artisanaux ont été publiés puis déterminés, qu'est-ce qui pouvait... Projeté. Donc en fait, si vous allez sur les sites de vos agences de santé publique, vous allez voir un descriptif. Au Canada, il est très bien ouais. fait. Et ouais. ce, qui, ce qui contient aussi et que je trouve qui est exact, et, et, qui est extrêmement essentiel, c'est que le port du masque c'est une chose, mais il faut savoir le mettre, il faut savoir l'enlever sans se contaminer, puis il faut savoir comment disposer, le laver, puis quels sont les les, les les éléments importants pour pas ajouter de la contamination finalement. donc il faut que ça vienne avec un accompagnement. on ne peut pas juste dire porter un masque. il faut en fait accompagner, expliquer comme on l'a fait pour bien d'autres choses en santé publique. On, on en a parlé pour la distanciation, on a dit aux gens comment il fallait tousser dans leur coude. mais ben, il faut qu'il y ait un accompagnement avec le masque aussi. Euh, Christian, une question de Nania Sergi, euh, qui je pense qui préoccupe tout le monde aussi. Est-ce qu'on peut espérer euh, que le virus disparaisse euh, complètement euh, Non. On peut toujours espérer, mais je pense que la, la réponse est assez claire. D'accord. Euh, Peut-être une question, euh, Nathalie, plus... Euh, plus euh, plus spécifique, on a beaucoup parlé de la transmission éventuellement par les... Est-ce que, est que nos animaux domestiques peuvent être des, des vecteurs de, de la, de, du virus En fait, il y a du, du virus, ça a été trouvé chez, chez les félins, donc chez des chats aussi, mais on n'a aucunement constaté une transmission entre ces animaux et, et l'homme. Il euh, y a une publication qui est sortie récemment qui indiquait en fait que l'intestin des chiens pouvait être un, un, un milieu favorable pour que le virus reste là. là mais il n'y a aucune démonstration, il n'y a, a personne pour l'instant qu'on a trouvé chez des chiens. Euh, donc la transmission en fait entre les animaux domestiques, euh, même un chien sauvage et l'être humain, il n'y a rien de démontré là-dessus. À ma connaissance, euh, aucune donnée nous permet de... Euh, euh, de dire que c'est qu'il y a un risque de ce côté là pour le moment. Mais tout évolue tellement vite que oh. je vais dire pour le moment. Alors c'était une question de Mathilde Ano. Alors écoutez, euh, euh, merci beaucoup. Je tiens à, à dire, euh, on a énormément de questions euh, sur le fil et, euh, et donc euh, on va récupérer ces questions-là et dans le, essayer de donner euh, des réponses avec les meilleures connaissances du moment euh, aux questions qui sont actuellement sur le fil. Donc euh, vous, serez pas restés, vous ne resterez pas sans réponse. Euh, donc, je tiens à vous déjà, Nathalie et Christian, un gros merci euh, pour euh, votre générosité dans la réponse aux questions. Euh, ce que je retiens, c'est qu'on euh, a quand même déjà des réponses. Euh, intéressante sur beaucoup de sujets, de beaucoup de sujets de l'heure. Ça fait déjà plusieurs, quelques mois et on, on sent bien qu'on avance vers quelque chose de beaucoup plus je dirais, réfléchi, de beaucoup plus pensé. On a beaucoup plus d'aide, il y a beaucoup plus d'aide pour nos décideurs à prendre des décisions et à prendre éventuellement des décisions éclairées. Donc je pense, j'ai l'impression qu'on peut partir quand même sur un, un message d'espoir. J'ai l'impression aussi que c est, c est, dans les prochaines semaines, Semaine, on va en savoir toujours un peu plus et, et les nouvelles vont être certainement de plus en plus réconfortantes. Alors encore une fois, un gros merci pour votre, votre, géné votre générosité et, et ce message à la fois réaliste. Effectivement, on n'a pas toutes les réponses, mais aussi, j'interprète euh, comme un, un message d'espoir avec, euh, avec beaucoup, euh, beaucoup de, 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 nouvelles, de, de, de nouveaux produits de la recherche, de nouveaux enseignements de la recherche euh, qui vont nous permettre euh, de sortir de cette crise terrible euh, euh, qui touche actuellement euh, euh, l'humanité tout entière. Alors, je voudrais remercier aussi, bien entendu, tous les spectateurs qui, sont, qui ont participé à ce, à ce webinaire, les questions qui ont été posées, très, très diverses et variées. Euh, remercier bien entendu euh, la SAT euh, et la Faculté de médecine de l'Université de Montréal pour euh, euh, nous avoir permis de, de vivre ce webinaire et euh, d'avoir accès à, à ces scientifiques de, de haut vol. Euh, on vous donne rendez-vous euh, demain à 17h30 euh, pour une autre, un autre webinaire avec exactement le même, la, même, la même méthode de travail, mais ce sera sur le sujet des effets bénéfiques de l'art en période de confinement. Euh, et la santé des populations vulnérables, on sait euh, qu'actuellement, euh, il y a beaucoup de préoccupations, notamment pour... Euh euh, nos, euh, nos, nos, nos citoyens qui vivent dans la rue euh, et qui donc sont bien entendu plus exposés, euh, plus exposés aux risques de contamination alors nous aurons euh, demain une clinicienne qui viendra nous, nous, euh, qui sera en mesure de répondre à ces questions là ainsi qu'une une experte notamment en art-thérapie euh, donc euh, bien entendu euh, demain sera encore plus l'occasion de rassembler le monde, de, le monde artistique avec le monde scientifique et clinique euh, avant de vous quitter, je voulais simplement vous dire que vous allez avoir à toute fin là, une fois qu'on va à toute fin de ce webinaire, un petit clin d'œil qui nous vient du euh, du, euh, du quartier des spectacles avec une photo que vous allez voir euh, avec un arc-en-ciel euh, que vous allez voir certainement assez souvent euh, dans les prochains jours euh, et bien entendu avec le slogan euh, d'actualité actuellement, euh, ça va bien aller. Alors encore une fois, merci et prenez soin de vous et faites attention à vous. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.